Bonjour à tous et bienvenue. On va aujourd'hui faire un tuto sur comment fabriquer une puce sauteuse à l'aide d'une cartouche d'encre. Donc, vous aurez besoin d'un ciseau et bien sûr une cartouche d'encre vide. Donc, pour commencer, il va falloir couper la cartouche d'encre à peu près au 1 sixième qui représente par ici. Donc, on la coupe. Toc. Donc, il y aura peut-être une bille à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut la faire sortir. On n'en aura pas besoin. Donc, ensuite, il va falloir couper la cartouche d'encre en quatre rondelles, enfin quatre rondelles à quatre endroits, dans quatre parties. Là, par exemple. Hop, à l'opposé en quatre parties égales. Donc on commence. On coupe une partie en face. Une fois que vous avez coupé ces deux parties, vous vous mettez entre les deux. Donc moi, il est là et là. Bien sûr. Faut pas les faire aller trop loin, sinon votre puce sauteuse ne sautera pas. Hop. On est au bout, on a coupé les quatre parties. Voilà. Ensuite, il va falloir les écarter une par une. Pas trop. Et on peut dire que la puce sauteuse est terminée. Pour la faire fonctionner, cette puce sauteuse, on pousse. Il faut bien vraiment avoir bien écarté quand même les différentes parties. On pousse, on incline le doigt et on lâche. Voilà la puce sauteuse qui est partie. On peut refaire ça autant de fois que l'on veut. Et ça marche très bien.